Ok. Bonsoir. Attendez, il faut que je corrige un petit truc. Voilà. Maspero Blue 87, on va encore travailler sur les maisons parce que c'est vraiment le truc qu'on doit faire. Alors, il faudrait que je vais devoir créer une nouvelle partie. Et on va l'appeler architecte, d'accord? Donc il va y avoir une période d'errance durant laquelle attends, chef d'équipe dans le bâtiment, ouais, c'est pas mal. Visite l'Himalaya. Artiste de cirque, je crois que c'est quelqu'un. Videur de boîte de nuit. Ok. Et il a des vêtements chauds. Une machette, tiens. Un architecte. Hein, quoi? Ah, il exagère. Architectus. Non. Comment je pourrais appeler Urbaniste. Non, ouais, urbaniste. Allez, urbaniste. Elle a plusieurs voitures? Non. Elle est livreur à vélo. Elle a un admirateur secret. Elle est silencieuse. Elle est divorcée à plusieurs reprises. J'essaie d'augmenter sa compétence sociale. Et marin-pêcheur. Et elle a une pioche. Urbaniste, une femme timide. Alors, un cheval noir. Ouf. Alors, j'ai besoin. Déjà, la première chose à faire. Ok, Google, volume à 2. Première chose qu'on va faire, c'est on va essayer de trouver quelque chose à manger. Non. Est-ce qu'il y a des fruits? Ah, des fruits, super. Alors, il a des fruits de couleur blanche. Le gui trompette, d'accord? On va essayer de manger du gui, d'accord? Ah, il est plutôt bon. Allez, on va ramener. Ah, il y en a qu'un? Ah, super. Ok, on va aller au sud. Ah, je cueille un fruit de gui trompette. Alors, des petites plantes, une petite fleur argentée, non? Ah, coucou, c'est qui? C'est une femme. Ok. Alors ensuite, est-ce que dans coucou... Ah, il y a des petits fruits de couleur noire, super. Donc, palmier rouge avec des fruits de couleur noire. C'est Toulousain. Un Toulousain. On va manger un Toulousain pour voir si... Hey, c'est un super fruit. Allez, hop, on va faire le plein de Toulousain. Non task. Yes, il y en a plein. Ok, super. Y a encore un Toulousain, mais on est bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, prochain objectif, c'est trouver un campement. Je vais toujours vers le sud, hein. Comme ça, je suis. Ah, il y a une source. On va renommer un endroit. Alors, une brousse sur des collines. Sunset. Ok, on va l'appeler. Merde. Allez, un campement, un petit campement. En tout cas, on sait qu'au nord, il y a un campement. Il y a des sources. Ce qui est bien. Là là, il y a une tempête de sable. Il y a un martin pêcheur argenté qui me bloque le passage. Alors, on va essayer de le chasser. Alors, il ressemble à quoi ce martin pêcheur? En plus, il y a un orage. Donc, il est argent zébré de jaune. Deux petites pattes. Franchement, alors, un oiseau argent et jaune, comment on pourrait l'appeler?
Argent fou, d'accord. On va essayer de le chasser. Ah, ok. Alors, je vais manger un fruit de qui trompette. Et ensuite, je vais chasser l'argent. Ok, je suis parvenu à le tuer. Attends, du coup, je vais aller vers le sud. C'est fou, j'étais obligé de tuer un oiseau pour. Ok. Je vais manger avant de. Je vais manger la viande. Mieux que ça. Je vais manger un Toulousain. Ok. Alors, on continue vers le sud. Toujours pas de campement. Il y a un brouillard incroyable. Ah. Ah putain. Ok. D'accord. Il n'y a pas de. Donc je vais aller vers l'ouest maintenant. Je retrouverai jamais le chemin de mon campement. Allez, un campement! J'ai l'impression de dire ça tous les soirs. A vraiment pas assez de campements dans ce jeu. Alors attends, on va y arriver ou pas? Je suis à nouveau, là, je suis devant un océan. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, il faut absolument que je fasse un truc, c'est qu'il faut que quand on a un morceau de bois en main, qu'on puisse mettre genre une pancarte, tu vois. Genre attention. Alors, je suis toujours vers l'ouest. Une femme autruchio. Test est ici, super. Je dois tourner autour de campement de ouf, quoi. En plus, je. Ok, je suis pas très bien, donc je mange encore un Toulousain. Il y a encore un mec qui s'appelle Test là, je tourne en rond ou quoi? Il y a eu deux tests. Je mange encore un Toulousain. Je vais peut-être augmenter la fréquence d'apparition des campements parce que. Peut-être qu'on peut. Si on crée nous-mêmes notre campement, ce serait pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je vais redescendre dans le sud. Tiens, je suis dans une jungle, mais c'est pas moi qui l'ai. Alors, un champignon rouge, denté, dentelure carmine. Alors, j'en prends un. Il a quel goût? Eh ben, il est parfait. Je vais en manger. Je vais refaire le plein. Ok.
Le mont Fuji, super. Ok. En fait, je crois que je ne trouve pas de campement parce que je suis. Oh, t'as encore le mont Fuji. Je suis dans des endroits qui ont déjà été visités. En fait, le campement, il a une chance sur 20 d'apparaître quand on découvre un nouvel endroit. Jungle Speed, ok. Grand Phasme argenté. Putain, le mont Fuji, il est gros, hein. Grosse Deutschland, super. Axolotl pourpre, il est où? Vermine purpurine. Tu veux le chasser? Ah, ok. Je vais manger un Toulousain encore. Et je vais chasser une vermine purpurine. D'accord, super. L'ouest. Entre le mauvais temps et les gens, c'est je vis l'enfer. Hein. Jungle nulle. Ok, super. Le sang, il est pénible. Hein. Allez, encore. Allez, c'est bon, là, je suis bon. Yes! Un campement. À part que je suis dans un campement qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave. Ok. Campement nul. Ah mais il m'appartient pas. Je peux pas faire venir des gens dedans. Ah. Ok. Sortir de camp. D'accord, ok. Bon bah putain, je vais trouver, hein. Oh putain. Camp de base. C'est quoi un Panzerkampfwagen? Bon, ok, bref. Ah putain. Ben. Suis poursuivi par une tornade de sable. La soirée ne commence pas très bien. Mais je crois que je suis en train de me sortir de un vent glacial maintenant. Tornade de sable, vent glacial, je me prends tout. Toujours une. Alors, je suis en petite forme, je mange encore. Heureusement, j'ai fait des petites provisions. Ah putain, encore l'océan là. À 8 pattes. Gros, c'est marrant parce que c'est un 1000 pattes. Et donc. Huit pas 1000. On va l'appeler. À 8 pas 1000. Vas-y, alors chasse-le.
Attends, je vais manger mon dernier Toulousain. Non, pas encore. Putain, j'y suis presque là. Putain, encore cet océan immense. Tiens, un grincheux. Et mon caraca. En fait, ça devient un peu trop. Il y a un peu trop de monde dans ce jeu. Alors, l'ours noir. Je vais manger la viande du. Ok. Ah putain. Toulousain. Ok. Je vais chasser le grincheux. Je peux le manger ou pas? Ok, c'est cool. Eh bien, on va aller vers l'ouest encore. Ok, super. Là, je vais aller vers le. Eh ben, en fait, c'est un passage où je suis. Il faut que je. Attendez. Je vais chasser le grincheux. Ah, ok. C'est dur, hein? Alors, un corbeau, flic-flac. Corps rouge, on va l'appeler. Ok, je mange mon dernier Toulousain, ok, et je vais essayer de le chasser encore. Ok, impossible de le chasser. Super. D'accord. Et eh ben écoutez, je suis obligé d'aller vers l'est, de battre en retraite, quoi. Aller un peu au nord et on va aller vers l'ouest. Tu sais quoi, je vais aller vers l'ouest tout le temps, ok. Allez, un campement, c'est tout ce que je demande. J'ai même pas regardé, en plus ça se trouve, j'ai pas. Non. Sur perdition. Bon, je vais essayer de manger ce minuscule champignon noir. Fleur d'oranger. Un moutardier, ok. Je cueille. Et je mange. Il a un goût insupportable. Ok, et cet arbre, il fait des fruits ou pas? Non. Il est radioactif, super. Allez, on va vers l'ouest. Les minuscules champignons bleus. Oh, c'est joli, bleu et d'or. Va dire les royaux, le royal. Allez, mangeons un royal. Yes! J'ai tout mangé, les royaux.
Ah yes, encore un royal, je prends. Putain. On voit les gens qui ont mis des... Le bal des blocs. Ok. C'est intéressant quand même de visiter ce que font les autres, les gens. Une petite éponge blanche m'empêche de passer. C'est pas grave. Bah, allez, à l'ouest. Allez, l'ouest. Sur un océan, super. Un immense océan, a priori, hein. Il me fait bien chier. Ok. J'aimerais trouver un campement à côté d'un océan, ça me ferait plaisir. Il y a zéro campement, quoi. On dirait que ça a été désactivé, quoi. Ça me rend fou. Encore un océan. Je commence à... Ah. Ok, là je suis bloqué. J'ai pas de bol, hein. En fait, je crois que je suis dans la zone qui est au cœur de la carte. Attends, je vais générer la carte parce que... Je suis pas là quand même pour. Ouais, si je suis bloqué dans une zone là, si je suis là, tu vois, je suis bien baisé parce qu'il n'y a pas de campement, rien. Faudrait qu'on puisse créer le campement où est-ce qu'on veut, où ce qu'on veut, quoi, en fait, où qu'on veut. A priori, je suis allé au sud-ouest au début et j'ai rencontré de la vie, donc en fait, j'étais là. Et après, je suis allé au nord-ouest. Donc, en fait, je suis en train de me balader là, quoi. Ou peut-être je suis là, quoi. L'ouest. 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 Puis, il y a un vent glacial, là. Je dois être en train de faire du travail là. Ah! Ouf! J'ai enfin trouvé le campement. Ouf, ouf, ouf. Je suis en pleine forme et j'ai plein de trucs cool. Cool. Ah, une tourbière. Une tourbière glacée. Alors, froid serein, on va l'appeler. Et le campement, on va l'appeler la Cité des Brumes, ok? Sympa, non? Yes! Ok, Google, volume à deux.
Maintenant, on va faire venir des gens dans cette cité, d'accord? Donc, il y a quoi dans cette cité déjà? Super, il y a trois trucs, c'est fantastique, je sors. On va essayer de trouver quelqu'un qui soit un bon maçon et ensuite un bon. Comment ça s'appelle? Un bon. Ah, j'ai marqué dans ma checklist. Certaines maisons ne peuvent être construites que par des maçons intelligents ou forts. On fera ça plus tard, mais pour l'instant. Alors, on a le campement. Ensuite, je vais aller au nord pour essayer de trouver des créatures intelligentes. Et ça souffle bien. Allez, allez, allez. Ah, yes. Ah, et putain, il y a un vent glacial. C'est pas grave, je suis en pleine forme. Alors, la femme Nestor, elle est comment? Donc, c'est une femme avec un corps, une tête de pingouin et un très long bec. Elle a une grande force physique. Donc, notre grande force physique, ça sera peut-être notre maçon. On va voir. Hé, hey, Zenouille, ça va? Non, c'est bon, c'est bon. On va s'en sortir, j'ai de quoi. Donc, la femme Nestor. Pinguine, alors, Pinguine, tu vas rejoindre la cité des brumes. Ulu, je vais m'y installer, c'est cool. Triton. Alors, elle est très futée, elle, par contre. Elle a un corps de femme et une tête de triton. On va l'appeler Nerd, ok? Nerd, est-ce que tu peux rejoindre la cité des brumes? Elle veut pas me suivre. D'accord, ok, c'est pas grave. On va vers le nord. Je vais quand même me soigner en mangeant une dentelure carmine. On va trouver hein, vers le nord. Ah, une femme kangourou, un homme poupoupou, une femme veau noir, c'est quoi? Axolotl. Femme veau noir, c'est. Alors. Elle a pas l'air très intelligente. On l'appelait Brutas, d'accord? Alors Brutas, veux-tu rejoindre la cité des brumes? D'accord, j'y vais. C'est parti. Ok. Et on va prendre l'homme poupoupou. Une tête de marchand-pêcheur. Comment on l'appelait elle? On va l'appeler Dumi, d'accord? Ah d'accord, il y a déjà quelqu'un qui s'appelle. Alors comment on peut l'appeler? Un mec qui est pas très intelligent. Salut Zenouille, hein. Je sais pas si je t'ai dit. Farfelu, ok. Veux-tu rejoindre la Cité des Brumes? Yes, c'est parti. Allez, on retourne vers la Cité des Brumes. Et normalement. Ah oui, attends, oula, il faudrait que je ramasse. Attends, un arbre, un petit arbre droit. Il est bleu, hein. Alors. Je l'appelle l'azuréen faible. Okay. Je vais ramasser un petit peu du bois d'azuréen faible. Et je vais prendre aussi. Alors, c'est quoi? Un buisson prostré. Oh, un mentholé. Alors, je peux pas ramasser du mentholé? Non, ça. Alors. Fleur tigrée, couleur verte. Un verdillon, ok. Je prends aussi du verdillon. Ok. Allez, hop. Nord, elle était pas très sympa, je trouve, hein. Ok, ça marche.
Alors, il y a déjà trois personnes, ils sont tous là. Donc, pingouin. Pingouin, ma chère pingouin, tu vas être mycicultrice. Et tu vas cultiver de la dentelure carmine. Et elle peut. D'accord, très bien. Ensuite, là, j'ai qui? J'ai Brutas. Brutas, ça sera mon maçon. Farfelu. Farfelu, tu vas être myciculteur aussi. Et tu vas cultiver du royal, toi. On peut nourrir 54 habitants, c'est pas mal. 54 habitants qui peuvent vivre là, c'est fou. Alors ça, c'est intéressant, il y a un petit bug là. Parfait. On va pouvoir regarder ça. Et ensuite, on va s'occuper de construire des maisons. Mais on va d'abord s'occuper de ce petit bug de description de maison. Alors attends, c'est dans gestion village. Est-ce que vous avez vu ce reportage sur un mec qui construit un Boeing en papier? Genre, il le construit pendant enfin, des mois, tu vois. Et je trouve ça ouf. J'ai vraiment envie de. Comment ça? Ok, Google. Volume 1. Enfin, non, qu'est-ce que je dis? Il l'a construit pendant 10 ans, tu vois. Et je me dis que. Putain. Ok, Google. Moins fort. Musique trop forte. Alors, autour de la colonie, il y a champ. Ok, Google. Suivant. J'ai du mal à me concentrer. Elle n'a pas compris. Ok, Google. Suivant. Ouais, il y a un truc pour marquer. Oui, bien sûr. Il y a un truc, mais on va pas te le dire, ça va? Eh oh! Il y a presque aucun secret dans ce jeu. Je l'ai dit parfois. Alors attends. Champignonnière, ok. Autour de la colonie, il y a des champs. Il y a champs. Alors, comment ça s'annonce, ce truc? On va faire ça. Hop, je vais enlever l'incrémentation. C'est peut-être pas bon ce que j'ai fait. Hein. Je suis pas très fier. On va voir ce que ça donne. Je rentre dans la cité des brumes. C'est bon. Tour de colline. Ok. Ok, bon. C'est pas très propre, mais c'est au moins assez cool. Ah. Ok. Et maintenant, Brutas. Ah, on peut nommer les habitations. Donc là, on va l'appeler le bivouac. On va l'appeler ferme. La ferme des pingouins. Okay. Comment s'écrit un pingouin? J'ai vraiment du mal. Il y a un U ou pas? Pingouin, c'est écrit comme ça? Ouais. Pingouin. Ok. Il y a un U. Pingouin, comme ça. Bizarre. Et ça, c'est un homme poupoupou sous la chape. Ferme des oiseaux. Ok. Et ça, on va appeler ça Brutus Maçonnerie. D'accord. Hey Broly, ça va? Salut. Brutus Maçonnerie. Alors, dans Brutus Maçonnerie, j'ai une personne qui s'appelle Brutus. Voilà. Et Brutus, je vais lui dire, tu vas être, toi, tu seras constructeur. Je retourne sur Brutas. Et tu vas construire plein de nouvelles maisons déjà. On va construire deux nouvelles. Ok. Ensuite, on va un peu améliorer la ferme des pingouins.
Ça s'écrit pas comme ça, les pingouins. Je suis con. Hein. On va taper. J'ai un peu honte de la ferme des pingouins, donc on va s'occuper de la ferme des oiseaux. Donc, améliorer la ferme des oiseaux. Mais attends. Donc, c'est la troisième. D'ailleurs, d'accord, quelle habitation dois-je améliorer? Kakakaka. Elle est marrante. Ben, c'est bivouac. J'ai besoin. Je vais dresser des murs, rendre ce lieu plus. J'ai besoin de bois, de plantes. Avez-vous? Alors, on va lui donner de l'azuréen faible. Donc, il a transformé la ferme des oiseaux en un tipi. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, maintenant, on va essayer encore d'améliorer la ferme des oiseaux, d'accord? Bon, l'interface n'est pas top, hein. Donc, peux-tu améliorer ce tipi? On va lui donner du verdillon. Ok. Ah, il me reste encore un peu de verdillon, je crois. Même plus, j'ai tout donné. Ok, alors, le tipi. La ferme des oiseaux est un tipi de forme allongée de couleur bleue en azuréen faible et pour entrer en verdillon. Cette habitation peut accueillir trois personnes. Trois verres pyramidales. Il est farfelu, un homme poubou sur les chasses. Hey, Zebra, ça va? Salut, Zebra. Mais je crois que je te connais, Zebra. Je sais qu'il y a une chanson qui s'appelle Izimbra. C'est quoi le crâne de Lennon? Alors attendez, je suis en pleine concentration. Donc là maintenant, je voudrais améliorer ce tipi. D'accord? Ah non, non, pas ça. Je clique sur. Donc, peux-tu améliorer ce tipi là? Non, non, il peut pas. Très bien. Donc là, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut améliorer les choses qui ont été améliorées une fois. Il va falloir que je me replonge dedans. Mais je vais y arriver. Alors, c'est là que ça se passe. Parfait. Donc ça, c'est amélioré 3. Ok. Alors, donc il faut aussi. Ah, donc j'ai ça, j'ai parlé, donc j'ai description maison. Donc maintenant, attends. Donc maintenant, quand on va transformer notre tipi, quand on va transformer notre tipi en maison, il faut lui rajouter une porte et une fenêtre, d'accord? Ah! Non, non, c'est. Hey, salut, es-tu là? Aujourd'hui, on est en train d'améliorer des maisons. Donc, j'ai un maçon et pour être plus précis, en fait, on a des huttes, des cases, des cabanes et on va lui donner on va lui donner du matériel pour faire une porte. Donc. Une porte, je regarde comment ça se marche. Donc la porte, elle est en matière. Ça va être relou. Attends, je vais noter ça quelque part. Ça. Donc voilà, il y a plusieurs types de portes. Il y a la porte creuse, donc c'est un trou. Ça, c'est notre porte à nous. D'accord? Enfin, ça, c'est la porte, c'est déjà fait. Donc c'est un trou. Ensuite, il y a la porte qui est en bois. Ou en métal, ou en pierre, ok, bois ou pierre. Ensuite, il y a la porte ça c'est la deuxième étape, donc 0, 1. Ensuite, il y a la troisième étape, c'est une porte qui a
Du coup, la porte, elle va être gravée. Attends, bois, pierre, gravé. Et ensuite, la porte, elle a un heurtoir. Donc ça, c'est la heurtoir. Donc ça, c'est la troisième étape. Et la dernière étape, elle a une serrure. Okay, donc il y a quatre étapes de porte. Ok, ça marche. On va dire que la gravure, elle arrive au tout dernier. La gravure, elle arrive quand la porte est... Enfin, le truc est très beau. Donc ce qu'on va faire, j'ai besoin de... Donc, veux-tu améliorer le Tipeee? Donc, hop, donc c'est dans acte égale améliorer 2. Ça va être chaud à coder, mais on va y arriver. Ah, mais déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher. Attends, je vais sortir. Rien pour le moment, mec. Je sors de la cité des brumes. Je vais vers le nord. Et là, il y a des roches inconnues. Et on va creuser des roches. Ça fait un moment, en fait, les roches jusqu'à présent, elles n'étaient pas utiles. Et enfin, on va pouvoir faire des portes en. Ah, mais un truc qu'on pourrait faire, on pourrait faire aussi des maisons en pierre, non? Est-ce qu'on peut avoir une porte de pierre et une maison en bois? Ça se fait pas du tout, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt une maison en pierre et une porte en bois. Ah! Ou alors j'ai mon Tipeee, je rajoute une porte. Ok. Attends, il y a quoi après la maison? Je réfléchis, hein. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Ok, bon, je vais ramasser des pierres, de la pierre maintenant. Donc là, on va dire que... Ok. On va upgrader. On va upgrader les maisons. Elles n'auront pas de portes, mais elles auront des murs plus solides. Non, c'est con de finir ça. Parce que... Ah, ça m'énerve. Ouais, ok, d'accord. Donc les roches de bleu couleur vert pâle, elles sont comment? Fait sédimentaire en strates. Elle est très dure et très difficile de l'extraire. On va l'appeler... Le jade invincible, le jade dur, ok. Je ramasse du jade dur, ok. Y en a du jade dur, hein. Ok, je redescends dans le sud. Ah putain, il m'énerve les iguanes là. Alors attends, voilà, mange. Je vais faire le tour. Alors attends, je vais faire le tour par l'est. Ok. Alors on la refait. Ok. Brutasse. Peux-tu améliorer une maison?
Ah, je vais demander d'améliorer un Tipeee, donc améliorer deux. Donc si surface maison égale 1, surface maison égale 2. What? Oh putain, attends, je la refais. Donc je prends ça. Ok. Je coupe ça, je coupe colle ça, d'accord. Je fais un petit espace et je le colle là, d'accord. Ok. Donc je voudrais en. Ok. Nous allons consolider et agrandir. Cette habitation. Pour cela, j'ai besoin de bois de bonne qualité ou de roches dures. En avez-vous? Donc, il me dit ça. Alors, non, déjà, c'est 6 surfaces maison égale 3. Ok. Donc, là, on va. Alors, attends. Donc, if type égale 2. Ok, Google. Stop. J'ai vraiment besoin de réfléchir. Non, stop. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ok, Google. Stop. Parfait. Alors, on va traiter deux choses. C'est alors du bois dur ou de la roche dure. D'accord? Donc ça, c'est idée type 2 et spécial égale 0, c'est qui est là, là. Ça veut dire, est-ce que j'ai du bois sur moi, tu vois? On va voir, vous n'avez pas de bois de bonne qualité ou de roche dure sur vous. Okay. Ok, donc ensuite il faut que je récupère, il faut que je comprenne comment ça fonctionne ça. Donc idée objet from inventaire. Donc il faut que je retrouve comment je gérais l'inventaire. Pour que je retrouve comment je dis que inventaire. Ça va être chaud. Ah, j'ai même pas de truc d'inventaire. Ah, ok. Héros alors. Héros, alors, type égale 2, ça c'est. Type égale 2 spécial égale 0, ça c'est sûr. Putain, j'ai même pas noté à quoi servent. Ah putain, l'enfer. D'accord, c'est pas grave. Il va falloir que je replonge dans ramasser les objets, c'est ça? On va regarder dans la base de données comment je gère ça. Et au cry, salut! Je suis désolé, j'ai une très longue journée, je galère un peu. Alors, inventaire. Ça c'est l'inventaire? Eh ben. Alors. Alors, attends, il faut que je regarde un peu Maspero Blue. Si je veux jeter mon jade, c'est l'objet 6516, d'accord? 6516, donc c'est celui-là. Donc c'est un type égale 5. Par contre, j'ai pas la. Putain. J'ai pas la dureté, tu vois. Ou type égale 5. Donc déjà, on va lister les. Ok. On va lister un truc. Il est où? Parler.
Voilà. Donc c'est id égale type égale 2 ou type égale 5. Donc ça nous donne ouais, c'est pas grave, on va faire le reste ensuite. Ça va être un peu bancal, mais déjà on va voir si ça liste bien il faudrait que j'aille chercher du bois et on va couper du bois et des roches, ok? Donc Elixine, j'ai pas du tout d'élixine. Hein. Ah oui. Type objet. Alors. Attends. Bon, j'en reçois des messages en plus. Hey Ursama, ça va? Ouais, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Mais c'est chaud ce soir. Ok, alors. La reprise est dure, hein. Ok, donc déjà, normalement, si je mets ça à jour, l'élixine va se transformer majestueusement en jade dure. Je rafraîchis. Je rafraîchis. Non. Ah, ça ne suffit pas. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est normal. C'est normal, on reste tranquille. Attends, je vois des messages, mais d'abord, je vais majestueusement. Voilà, jade dure, très bien. Alors quoi? Sur le jeu, il n'est pas moyen d'utiliser un pseudo d'un personnage mort. Non, Atula, je sais que tu aimes beaucoup ton prénom. Mais nous allons faire ça un peu plus tard. Car je vais aller chercher du bois. Sortir de la cité des brumes. On va aller vers le sud parce qu'il ne faut pas déconner non plus. D'accord. Oh putain, il y a un autre campement! Oh, en plus, elle est dans une caverne de taille bleue taillée dans un glacier. Bon, super. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, noir, est-ce qu'il y a des arbres? Ah, des arbres, une forêt d'arbres noirs. Alors, en forme de flamme avec des feuilles, des fleurs arquées, des feuilles de couleur noire et des fruits blancs. C'est marrant ça. Panda. Ok. Je vais prendre du bois de panda. Ok, je vais manger mon royal. Hein. Voilà, pour encore plus de bois de panda. Ok. Et je retourne vers l'est, c'est ça? Ah yes, je retourne dans la cité des brumes. Je regarde Brutas Maçonnerie. Salut Brutas. Il y a un truc que je vais faire aussi, c'est que là il y a marqué une tente, elle peut accueillir une personne. Je vais essayer de mettre un espace entre, enfin comme ça met en évidence la femme, l'habitant et ça permet de. Ça permet. Alors attends, gestion village. Oh. Anthologie, génération plante, ah, gestion village, te voilà. Ici, vie. Ici, vie. Brutaste. Et là, je fais ça. BR et un autre BR. Bam! Voilà. Alors, on refait sur le village. Voilà. Alors, on re-regarde. Donc, je regarde autour de moi. Donc là, je clique sur Brutas. Effectivement, elle est mise en valeur. Du coup, je clique sur elle et je demande d'améliorer une maison. Veux-tu améliorer ce Tipeee? Normalement, elle me propose. Voilà, le jade dur ou le panda. Mais on va écarter le bois qui est de mauvaise qualité ou pas. D'accord? Donc, pour que savoir si le bois
Et de mauvaise qualité ou pas. Alors, donc c'est dans Explore. Ah merde, j'ai vidé ma checklist, c'est pas grave. Aventure, gestion nature. J'ai besoin de la génération plante. On va commencer par le bois, d'accord? La qualité du bois. La qualité du bois. La qualité du bois, voilà. Donc la qualité du bois, elle doit être au moins bonne. C'est-à-dire qu'elle doit être égale. Alors, c'est plante 13. On peut recréer un personnage avec le même pseudo. Ah ok, ouais c'est possible. Je suis désolé as-tu là de ne pas être précis sur ce type de choses. Donc je fais plante 13, il faut que c'est une valeur inférieure ou égale à 3. Okay. Je note sur un bout de papier, c'est une technique que m'a appris Le Canard. Ou Nicopon même, il aime beaucoup. Et donc, sinon, pour la génération. Il n'y avait pas une génération de minéraux? Attends, mais on peut trier par. Non. Génération plan. Ah, génération roche. Voilà. Alors là, c'est l'inverse parce que évidemment rien n'est simple. Donc, déjà, c'est roche 5, donc c'est la cinquième. Et il faut qu'elle soit dureté assez dure. Elle existe qu'est-ce que donc au moins supérieur ou égal à 5. Ok, ça marche. Donc, ensuite, il faut que je récupère donc l'identifiant de la plante ou du. Alors, if type objet égale 2. Alors. If type objet égale 2. Donc là, on va. Donc là, c'est si c'est une plante. Ok, on va chercher. Donc select id, j'ai besoin de la graine, donc ça c'est des plantes. J'ai appelé ça comment? Plante, j'espère. Même... Ah, j'ai appelé ça jardin, je crois. Ah, herbier peut-être. Ouais, herbier. Mais étais-je fou? Select graine from herbier. Select graine from herbier. Where id égale id objet. Non, égale objet. Égale objet. Donc là, on a ça et on a graine. Ok, égale 0. Parfait. On va dire graine P comme proposition, d'accord? Sinon, si c'est un objet de type 5, c'est ça? Ok. Si c'est une roche. Alors, si c'est une roche, c'est dans minéraux. Select roche from minéraux. Je me maudis tellement d'avoir fait ces bases de données incompréhensibles. Voilà, id égale objet. Ok. Et là, c'est. Roche P.
Alors, if donc, if type objet égale 2, donc si c'est une plante. Et il est où? Si c'est une plante et que graine P13 est, on a dit, est inférieur ou égal à 3, ça c'est bien, ou que, ou deuxième option. Ou que c'est une roche et que roche P5, c'est incompréhensible, hein, je vois pas pourquoi des gens regardent ce stream. Ou que roche P5 est supérieur ou égal à 5. Alors dans ce cas-là, on a soit un arbre très dur, soit une roche très dure, enfin assez dure, et du coup on peut proposer la roche. Donc là, on va voir déjà. Ah oui, il faut quand même que on ouvre ça. On la ferme et gestion village. Alors maintenant, il faudrait que je fasse le contre-exemple, c'est-à-dire que j'aille chercher des roches pas très chères. Bon, on va voir déjà si ça marche. Donc, rien n'a changé. Ok, ça c'est cool. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais. On fera ça plus tard, mec. Je sors de la cité des brumes et je vais déposer un peu de jade parce que j'en ai quand même grave. Et je vais essayer de trouver à l'est peut-être des roches inconnues. Alors elles sont comment ces minéraux? Ah, il est fragile, très bien. Donc c'est ce que je cherchais. Alors, vert fragile. Bobo écolo. Ah merde, j'avais Bobo école. Bon, je prends du Bobo école. Ok. Et j'ai besoin de bois fragile. Non, 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 non. Ok, on va aller vers. En fait, le buisson, on ne peut pas ramasser. Je sais pas pourquoi. Il faut que je note dans ma checklist. On ne peut pas ramasser de buisson. Pourquoi? Est-ce qu'on peut ramasser? Est-ce que le buisson, il y a du bois dans les buissons? Peut pas ramasser de buisson. Alors j'ai noté, hein, je reçois des mails avec des remarques, tout ça. Par contre, je les fais pas tout de suite parce que je suis sur cette putain de création de maison, quoi. Alors, bah, je vais encore à l'est. On peut avoir un arbre fragile. Alors, ce bambou est-il fragile? Ah yes, c'est un bambou fragile. Au lieu de babtou fragile, c'est bambou fragile. Ok. Il y a déjà un bambou qui s'appelle bambou fragile. Super. Alors, bab fragile. Ok. Alors, je cueille du bois de bab fragile. C'est super, il y en avait qu'un en plus. Donc, allez, on retourne à l'ouest. À l'ouest encore. Encore à l'ouest. Et à nouveau dans la cité des brumes. Tiens, il y a mon jade. Ok. Hop, hop. Je retourne sur les Brutas. Coucou Brutas. J'aimerais améliorer une maison. J'aimerais améliorer ce tipi. Et il me propose le bobo école et le bab fragile. C'est pas ce que je voulais. Donc, c'est-à-dire que le code ne marche pas. C'est pas grave. On va regarder un petit peu ce qui fonctionne, ce qui se passe dans. Ah, mais peut-être que je n'ai pas mis le fichier en ligne. C'est peut-être pour ça. Voilà. Et là, maintenant, Ah, il me propose que le jade dur. Parce que mon bois, là, le panda, là. Non, c'est quoi? Attends, le panda. Encyclopédie! Bois.
Plante de légende. Alors, le panda. Ah, ok, mais ça marche. Oh putain, ça marche. Fantastique. Ok, donc super, mais c'est super. Je suis content. Ok. Donc. Bah c'est fantastique. Alors, si améliorer 3. Attends, une surface maison égale 2. C'est tout? Mais alors, il n'y a pas une surface maison égale 3. Alors, if surface maison. Alors, hop, ok. Égale, et type objet égale. Ou 3. Oui, ou 5. Voilà. Ah, merci, je vais ah, merci, je vais construire, je vais faire de cette petite habitation une vraie maison. Ok, point d'exclamation. Donc, ok. Donc là, 7 héros, id objet égale id objet. Et donc là, on fait update maison, 7 surface égale 4. Ah, et là, c'est différent parce qu'on met. Fait, on change la forme de la maison. 7 maison, surface égale 4. Type maison. Alors ça, je change rien à la porte, je change rien à la type de maison. Type de maison égale 0, parce que je réfléchis, excusez-moi. Pas besoin de changer, il n'y a pas besoin de changer la taille de la maison, pas besoin de changer la porte, pas besoin de changer la forme. Forme égale forme, donc ça c'est bien. Matière item égale 2 et matière quoi égale objet. Matière item égale type objet en fait. Dans la forme. Chaud, 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 chaud. Ok. Bon, ça devrait fonctionner. Alors, ça ne suffit pas, hein. Il faut que également. Je suis désolé, c'est le stream le plus chiant du monde, mais je suis très, très, très concentré. Il faut également que je modifie la description de la maison. Voilà. Donc, déjà la description succincte. Si surface égale 4, retourne maison. Et on s'en tape du reste. Voilà. Donc là, on commence à avoir une vraie maison. La même chose, si surface égale 4, type habitation égale ça. Ensuite,
Compliqué, hein? J'ai l'esprit qui... On va laisser ça comme ça pour le moment. Je vais mettre 0 fenêtre. Putain, pourquoi j'ai fait ce système? Je suis con. On va modifier la truc tout de suite, mais c'est ma prochaine étape. Pour l'instant, on va juste pas de jardin non plus. Et bref de jeu, ça va? On va voir ce que ça donne. Sauvegarder comme ça. Alors, on va améliorer notre maison. Et normalement, elle est là, on a une maison qui est comment? Donc, je regarde cette ferme des oiseaux. Ah! 2107, pourquoi? Description maison. Là là, attends, attends, c'est dans quoi? En parler. J'ai un truc en plus, quoi, ça. On va enlever ça. Donc, je regarde cette ferme des oiseaux. Donc, c'est un tipi de forme allongée de couleur bleue, au mur en azuréen faible, avec une entrée de toiture pyramidale en verdillon. Ok, donc du coup, je lui dis mec, Brutasse. On va améliorer. Peux-tu améliorer ce tipi? Tu as besoin de jade, je t'en donne. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Donc, améliorer 3 IDH. Et oui, parce que j'ai dit surface maison égale 2. En fait, c'est mais surface maison égale 3. Allez, c'est parti. T'as pas kiffé, alors je la refais. Peux-tu améliorer ce... Hein? Si, 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 j'ai pas vu. J'ai une maison. La ferme des oiseaux, c'est une maison. Comme c'est une maison de forme allongée, de couleur orange, au mur en timide fougère avec pour entrer une... Alors, ça ne marche pas, d'accord. Ça devait être en jade, d'accord, cette maison. Et elle est en fougère, donc ça va pas, c'est pas ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qui va pas? Alors, c'est une maison. Par contre, sinon, tout le reste, c'est cool. Pourquoi? Pour quelle raison? Montre-moi ça. Là, c'est ça. Je crois que on a un problème parce que ça doit être là. On va vérifier, hein. Je vais vérifier. Et sinon. If maison, IDH, ID objet, d'accord, c'est bien. Donc là, ah, je suis amélioré 3, je récupère l'objet.
Déjà, est-ce que j'en vois bien le bon objet? C'est ça la question. Donc là, normalement, j'en vois bien le bon objet. Idée maison égale IDH égale IDH. IDH, c'est l'habitant. La maison et l'objet. Sachant que l'objet, c'est un objet qui vient de l'inventaire. C'est parfait. Je récupère ces trois données. Je récupère que je suis. Je vérifie dans le village dans lequel je suis. Est-ce que dans ce village, il y a un maçon? Est-ce que. Est-ce que dans ce. Est-ce que dans ce village, il y a la maison que je veux améliorer? Et est-ce que dans mon inventaire, j'ai bien l'objet que j'ai? Ok. Ensuite, je vérifie que j'ai bien l'objet. Donc déjà, j'enlève l'objet de mon. Donc là, est-ce que c'est le cas? Est-ce que j'ai enlevé un jet dur? Ouais, j'ai enlevé un jet dur, donc c'est bien. Donc il l'a enlevé. Donc c'est là en fait. Donc là, j'enlève l'objet, c'est cool. Qu'est-ce que c'est ce... Oh putain, j'ai rajouté un toit, ça sert à rien. Et je saute la surface. Mais. Directement n'est pas égal à 2. Égal à type objet. Voilà pourquoi. Pourquoi? Voilà pourquoi on pense que c'est anti-mythe fougère. Ce n'est pas anti-mythe fougère. Alors. On va re-améliorer un. Donc du coup, on va améliorer la forme des pingouins. Alors, Brutas, peux-tu améliorer la forme des pingouins? T'as besoin de quoi? De panda? Allez, c'est parti. Donc la forme des pingouins, maintenant, c'est un tipi, forme carrée de couleur noire au mur en panda. Ok. Ensuite, tu vas re-améliorer le panda. Enfin, la forme des pingouins. En plus, c'est tellement compliqué, il y a des pangas, des pingouins. T'as besoin d'un toit? Bah, tu vas le faire en bab fragile. Okay. Donc là, c'est un tipi de forme carrée. Un toit en bulbe. En bab fragile. Un toit noir. Donc, le mec, c'est un tipi noir avec un toit noir. Ok, ça ressemble pas du tout à un tipi en plus, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite. Brutas maçonnerie. Bonjour Brutas. Je voudrais encore améliorer. Peux-tu améliorer le tipi? Nous allons consolider et agrandir habitation. Pour ça, j'ai besoin de bois de bonne qualité de roche dure. Oui, je te donne du jade. Merci, je vais faire cette petite habitation une vraie maison. Et attends, je vais ramasser le jade parce que comme ça, j'en ai besoin. Et effectivement, là, la ferme des pingouins, c'est une maison. Au mur en et là il n'y a rien. Oh bordel hein. Je sais pourquoi. Parce qu'en fait là ah putain. Je sais pourquoi. La maison 860, c'est ça. Je vais corriger ça à la main, mais après on va en faire un autre. Ah, je sais pourquoi. 860, elle est là, ma petite maison, d'accord. La ferme des pingouins. Ah, tiens, ça va me permettre de corriger cette faute. Mais comment ça s'écrit pingouin? Ça me rend fou, quoi. C'est pingouin. Comme ça, voilà. Et en fait, si je fais ça, normalement, la ferme des pingouins, elle va être en jade. On va regarder. Ah mais merde, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Je suis un petit peu. J'ai envie de tout casser là. Je sais pas. Ok. Ok. Alors déjà, le premier problème, c'est que
If. Donc if type object égale 2, là c'est égal 2. Par un hasard fantastique, le bois a la même notif. Alors, par contre, alors, si c'est la roche. Attends, on va faire matière item. Donc matière item égale type object, d'accord? Il se trouve que le bois qu'on transporte, enfin, les objets quand on les transporte, si c'est du bois, c'est une valeur de 2. Pour l'ordinateur, il sait que c'est du bois parce qu'il a une valeur de 2. Et si c'est un mur d'une maison, si c'est une valeur de 2, c'est aussi du bois. Mais si l'objet qu'on transporte, c'est de la pierre, il a une valeur de 5. Mais quand s'il est dans une maison, il a une valeur de 1. Ne demandez pas pourquoi. C'est la construction fantastique. Oh là là. Donc, if matière item égale 5. Matière item égale 1. Donc déjà, on va corriger ce principe-là. Et par contre, ce que je ne comprends pas. Donc type égale. Non, donc là, on a matière item. Donc ça, c'est bien. Matière quoi? Ah putain, évidemment! C'est objet. Voilà. Donc maintenant ça va marcher. Ok. Ok, on est cool. Je vais tout recommencer. Est-ce que j'ai de quoi construire. Non, j'ai pas de quoi construire un rocher. Donc on va sortir, on va aller ramasser. On va aller vers l'ouest cette fois-ci. Ah ben je vais prendre du panda, très bien. Allez, on va tout faire en panda. Alors, on va améliorer la tente de Brutas maçonnerie. Tu mérites de vivre dans une maison. Alors, tu vas améliorer ta propre maison. Tu as besoin de quoi? De panda? Tiens. Alors maintenant, c'est devenu une yourte au mur en panda, d'accord? Peux-tu améliorer? Non, pas la maison. On peut pas de toute façon. Peux-tu améliorer cette yourte? Et tu as besoin, tiens, encore du panda. Donc là, quand je clique sur la yourte, j'ai des murs en panda et un toit noir en panda. Tu vois? Ok. Et peux-tu améliorer encore ta maison? Ta yourte. Et là, tu vas prendre du jade. Et normalement. On a une maison de forme carrée de couleur vert pâle au mur en jade. C'est bon. Ouh, pas mal, hein? Ça, c'est bien, c'est corrigé. Alors, est-ce que j'ai des choses à faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire qu'on ramasse des buissons, mais ça, on va le faire plus tard. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va maintenant améliorer la maison en rajoutant une porte. Une porte en pierre ou en. Mais par contre, cette porte, elle n'aura pas de caractère de dureté. D'accord? C'est parti, on rajoute une porte. Je suis motivé, hein? Alors, parler. Tellement compliqué. 12 000 lignes de code. Alors, tout ça n'a aucun sens. Alors, si surface maison égale 3. Ok, attends, je vais vérifier que c'est bien ça. Bien là. Alors, on y va. Si surface maison égale 4. Je vais agrandir cette habitation. Je peux agrandir cette maison. Et lui rajouter une porte.
cela, j'ai besoin de bois ou de roche. En avez-vous? Ok. Blablabla. Donc là, ok. Là, on n'a pas besoin de faire de conditions de dureté. Donc, j'enlève ça. Ça. J'enlève ça aussi. N'y a pas de bois ou de roche sur vous. Du coup, ok. Donc, attendez, excusez-moi, je réfléchis. Ok. Ok, s'il faut se mettre en égal 4, donc ça c'est cool. Ensuite, est-ce que surface maison. Là, je prends ça. Voilà. Et donc, du coup, si surface maison égale 4 et qu'on a du bois ou de la roche, merci, je vais rajouter une porte. Je vais fabriquer une porte. Alors attends, donc là on enlève l'objet. C'est la même chose. Ah, il faut quand même fabriquer une porte. Donc là on va faire surface égale 5. D'accord. Et là, j'enlève ça, d'accord? Ah, il faut que je modifie la description de la maison. C'est pas grave. Hey, Pro Macaron, ça va? Prof Macaron, je crois pas t'avoir déjà vu. Ok, donc ça c'est bien, mais c'est pas top. Ok. Donc, surface égale 5. Donc là, on va remonter un peu quand on a créé nos portes. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que j'enlève l'ancienne porte ou j'en crée une autre? Enfin, est-ce que j'update mon ancienne porte? Je pense que ce serait pas mal. On va créer une nouvelle porte. Donc, Je ne sais pas comment vous aider, malheureusement. j'ai pas besoin de toi, Google. Elle me parle là toute seule. Donc, j'ai deux problèmes. On dit on va créer une porte, d'accord? Non, c'est plus simple que update la porte. Mais par contre, il faut que j'ai le nom de la porte. Alors attends. Ah oui, c'est facile. Select. Select ID surface from maison. Et là, je vais prendre porte. Ok, et je vais l'appeler porte E comme porte existante, d'accord? Pourquoi je suis pas en train de jouer à des jeux vidéo ou à regarder des séries, hein? Question
flippante. Hey! Ah, c'est cool. Ah oui, l'aventure, le jeu de rôle. Ben, j'ai amélioré ça, c'est sur un site qui s'appelle Aventure Infinie au pluriel. Donc, attends. J'ai besoin de toute ma concentration malheureusement ce soir. Donc, attends, je vais mettre ça de côté. Donc, ça, j'en ai besoin. Donc, là, je vais mettre Update. Update porte. 7. Et là, on va mettre where id égale porte E. Ça, c'est bon. Ça, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va set? On va bien voir ce qu'on va set. Alors, la porte. Montrez-nous une petite porte. Porte, 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 porte. Voilà. Aventure infinie au pluriel. Alors, nombre, il y a toujours une porte. La forme, elle ne bouge pas. Mais maintenant, on est en matière item et une matière quoi? Alors, l'item, je crois que c'est 1 ou 2, d'accord? Si c'est... ok. 7, matière item. Ben voilà, c'est ça. Je l'ai là. Oh là là, c'est bien. Cette matière item égale matière item, virgule. Et matière quoi? Égal, et là c'est l'objet ou l'idée objet. Là c'est l'objet. Ok. Là ça devrait bien fonctionner, à part que ça va pas marcher dans la description, mais c'est pas grave. Ok, donc je vais voir Brutas Maçonnerie SARL là. 2154, c'est quoi le problème? Quel est le problème? Dis-moi tout. Eh oui, ça n'a rien à faire ici, voilà. Alors, on regarde ta maison, mec. Enfin, madame, madame Brutas. Est-ce que tu peux améliorer une maison? Pas n'importe laquelle, tu vas améliorer ta maison. Ok. Et tu as besoin de roches ou de portes? Tiens, on peut faire une porte en panda. Ce serait joli et noir et vert. Donc, on va essayer de faire cette porte en panda. Merci, je vais fabriquer une porte. Donc, elle le fait. Et là, par contre, ça a disparu. Ah oui! Parce que ça n'est plus, voilà, ça n'est plus pris en compte. Mais par contre, ok, parfait, ok, c'est bien. Donc maintenant, on va améliorer la description, notamment la description de la porte. Parti. Alors, et description. Donc, si surface égale 4, ou surface égale 5, parce qu'on va aussi faire les vitres après. Une maison. Clone une maison. Donc je vais enlever ce système de. Je vais enlever ce système de P1, P2. Hein, ok. Donc if, c'est pas P0, c'est. On cherche. Est-ce qu'il y a un idée porte, c'est ça le truc? Donc, if porte est différent de rien. On va y aller supérieur à 0. Ok. À ce moment-là. On se concentre sur la porte. Donc ensuite. If. Porte matière item égale 0, porte matière quoi? Ok, ça c'est bien.
Ça, attends, ça. Je l'enlève là et là. Ok. Ok. Ça, il n'y a pas besoin. Je n'arrive pas à voir où il se cloue. Ok. If porte heurtoir. Ça, on n'a pas besoin. If ok. Merde, c'est quoi ça? If porte-serrure est différent de rien. Non, super à zéro. Compliqué, hein? Alors, ok, on est bon. Normalement, ça devrait rien changer à part que ça devrait marcher cette fois-ci, quoi. Ok. Donc là, je fais description de maison. On va voir si ça va marcher. Je regarde la maison de la brutasse. Ça ne marche pas. Alors, description de maison 682. Voilà. Ça sent la parenthèse en trop. Alors, if porte. Est-ce qu'à un moment il se termine là? D'accord. D'accord. Donc là, en fait, il y a un truc qui va pas. Il y en a un en trop. J'ai enlevé une condition en trop. Donc ça va où? J'ai envie de mettre ça là. Putain, c'est compliqué, hein. Donc ça, c'est... Je vais chercher le truc. Ok. On est bon. Ensuite, ça se ferme. Ouf. Comme là. Là. Comme là. Là, ça se ferme là. Ça, alors, il va où? Il se ferme où? Nulle part. Donc c'est ça en trop. Peut-être qu'il y en a un trop en fait. Voilà. J'essaye, hein. Description maison. Ah, yes. Une maison. Une double porte double en panda de couleur verte. Par contre, je suis un peu en stress parce que... Donc là, elle peut accueillir 5 personnes. Mais attends, je vais sortir cette vidéo. Est-ce que... Un mot. Donc déjà, la cité elle a évolué. Hey. Ouais, j'ai vu ça. Merci. Oui, je sais. J'essaie bien d'être corrigé là-dessus là. Je suis désolé, c'était un problème de maison. Alors attends. Par contre, alors j'avais eu la porte double là, tu vois. Donc par exemple là, j'ai une porte comment? Une simple ouverture en forme de porte rectangle. Ah non, attends. Donc là, par exemple, j'ai une simple ouverture de porte rectangulaire, d'accord?
Et je vais l'upgrader. Donc, je vais upgrader la ferme des pingouins. Donc, améliorer la ferme des pingouins avec du jade. Ok, donc elle a fabriqué une porte normalement. Une porte rectangulaire en jade dur. Ok, ça marche. C'est bon. On a réussi à mettre des portes. Ouh! Alors maintenant, on va essayer de rajouter des fenêtres. Alors les fenêtres, elles sont en quoi? Si il faut que je regarde en quoi sont les fenêtres. Donc il faut que je corrige le truc de fenêtre, mais donc la matière, forcément c'est en matériaux précieux, on est d'accord. Donc par exemple je sais pas comment je fais pour attends. Donc F. If ah d'accord if alors if fenêtre matière supérieure à 1. Donc là, on va chercher les minéraux, d'accord? Et if fenêtre vitro matière supérieure à 1 aussi. Enfin, après, c'est supérieur à 1, c'est supérieur à 0 en fait. Voilà. Si c'est pas égal à 0, quoi. Donc là, on a les vitraux. Ça, c'est si on a des volets. Ok. On a les vitraux, on a les volets. Et on a des fenêtres en gros. Which is cool. Ok. Donc je sauvegarde. Et là, enfin, on a nos fenêtres fonctionnelles en termes de description. Je vais vérifier que ça ne fait pas bugger le truc. Ok, et on va maintenant. Comment on se régénère? Il faut que tu trouves. Donc as-tu là? Il faut que tu trouves des champignons ou des fruits sur des arbres ou des animaux que tu chasses et dont tu manges la viande. Donc ce qu'il faut que tu fasses en fait en début de jeu, quand tu es encore en pleine forme, tu trouves un champignon, tu le goûtes, enfin tu le regardes parfois, il peut te dire s'il est comestible ou pas. Même chose pour les viandes et le reste. Et si te dit rien, bah tu peux tenter le coup. Si te dit il n'est pas comestible, faut mieux pas essayer. S'il est comestible, il vaut mieux le manger. Et une fois que tu en as trouvé un qui vraiment te soigne, donc c'est marqué, ça vous soigne, ça vous fait du bien, ça en vert, tu vois. T'en stockes plein et tu peux commencer l'aventure. Voilà. Alors, tu peux aussi boire de l'eau. Voilà. Enfin, il y a des eaux qui sont empoisonnées. On va s'occuper de créer des fenêtres, mais alors je voudrais savoir, les fenêtres, on va les faire en minéraux. Mais alors ça se passe comment les minéraux? Très fragiles, fragiles, radioactives, forme de cristaux brillants, cristal translucide. Un millefeuille. Parce que j'aimerais que ce soit plutôt une pierre précieuse, vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est une pierre précieuse. Donc, c'est une pierre précieuse. Ok, donc il faut que ce soit des pierres précieuses. Donc, une roche. Les pierres précieuses, c'est des roches. C'est roche 0 égale 3. Donc, du coup, en fait, on va faire des fenêtres en diamant. Mais bon, c'est pour faire entrer la lumière. Hein. Alors. Attends, je vérifie encore un tout petit truc dans description de la maison. Ah, on a quoi là? Surface.
coucher avec deux portes, deux fenêtres, deux toits. Ah, un deuxième toit, c'est cool. C'est cool. Du coup, on va rajouter une fenêtre. Et ensuite, on rajoutera un jardin. Alors, apprivoiser un animal, ça permet de... quand tu rencontres, en fait, tu vois, enfin, c'est pas encore super utile, mais c'est prévu dans le jeu. C'est-à-dire que là, quand tu rencontres un... Quand tu vas dans un village, cet village, pour l'instant, il y a 3 habitants. Ce village, il a une capacité de 16, parce que je suis en train de construire des maisons, je suis sur le sujet en ce moment. Mais tu peux pas faire venir, même si tu as genre 16 places, tu peux pas faire venir quelqu'un si il peut pas s'il peut pas nourrir des gens, tu vois. Et donc, il faut créer des champs, tu vois. Donc là, j'ai créé une champignonnière de 2 champignons qui nourrissent beaucoup. Donc, il y en a qui nourrissent 30 personnes. Celle-là, elle nourrit... Voilà, c'est une champignonnière. Grâce à son travail, cette culture peut nourrir 30 habitants. Là, il y en a une autre. Cette culture peut nourrir 24 habitants. On peut faire de l'élevage de champignons, de l'élevage de plantes ou de l'élevage d'animaux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si tu trouves un animal qui est facile à apprivoiser et dont la viande est bonne, eh bien, tu l'apportes à... Tu l'apportes à un village et en fait, tu vas pouvoir faire un élevage de ces trucs-là. Voilà. Alors, attends. Donc, maintenant, on va faire la fenêtre. La fenêtre. Je fais trop là. Hop. Attends, ça va où? 8 surface maison égale 4. Ok. Donc, if surface maison égale 5. Je vais rajouter une fenêtre à cette maison. Il me faut des roches, mais pas n'importe lesquelles. Des pierres précieuses. En avez-vous? Blablabla. Donc là, si il faut que ce soit un type 5 strict, donc on ne peut pas faire des fenêtres en bois, parce qu'il faut des, c'est des vitres, quoi. Ensuite, là, on vérifie, pas besoin de type object. C'est forcément un 5. Là, on prend le truc. Et si type, il n'y a même pas besoin, il y a si roche 0, c'est ça? Si roche 0 égale 3. Donc, est-ce que c'est une pierre précieuse? Donc là, gène objet, type objet, on est bien. Donc là, déjà, on va voir si il nous demande bien des pierres précieuses et si ça marche. Donc, Brutas, on va améliorer ta maison. T'as bossé aujourd'hui, Brutas, hein? Ta maison. Je vais rajouter une fenêtre. KKKKK à cette maison. Il me faut des roches, mais pas n'importe lesquelles, des pierres précieuses. Ok, en avez-vous? Alors, vous n'avez pas de bois. Vous n'avez pas de pierres précieuses sur vous. Donc du coup, on va aller chercher les pierres précieuses.
rafraîchis. Ok. Ok. Je vais chercher des pierres précieuses. Pas de problème. On va aller vers l'est. Encore vers l'est. Alors, ces roches inconnues, c'est quoi? Ah, c'est encore du bobo école. Super. C'est quoi d'ailleurs le bobo école? Attends. C'est pas une pierre précieuse, hein. C'est un minéral. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des grands rangements de roches grands. Donc, c'est quoi? C'est une roche. Donc, c'est pas, ça m'intéresse pas. Roche inconnue. Non, c'est toujours pas une. Ah, des pierres précieuses. Yes, c'est ça qu'on voulait. Forme cubique, friable. Une pierre précieuse de petite taille, de couleur noire. Donc, sans, miroir sans teint. Alors, je ramasse un peu de miroir sans teint. Je vais en ramasser plein hein, parce qu'on risque d'avoir des soucis. Du coup, on va avoir des fenêtres miroirs, c'est cool. Hop. Je retourne dans ma petite maison. On retourne au hameau. Brutasse maçonnerie. Je suis qui moi déjà? Urbaniste. Hein. Parce que demain, j'en aurai besoin aussi. Alors, peux-tu m'améliorer ma maison? Yes! Bon, c'est bien. Il a pris du miroir. Maintenant, on va créer la fenêtre. Donc. Alors, if surface maison égale 5 et que type objet, ah merde, et que type objet égale 5 aussi. Merci, je vais fabriquer une fenêtre. Donc, ok. Donc, du coup, on enlève l'objet. Ok. Ensuite, il n'y a pas besoin de porte, parce que là, on va créer. Déjà, on va mettre la maison à 6. Et on va chercher dans insert porte. Voilà, de toute façon. Alors, insert, insert into fenêtre. Hein. Donc, les fenêtres. On va créer notre première fenêtre. Ah, que c'est compliqué. Fenêtre, fenêtre, fenêtre. Alors, faune, fenêtre. Voilà. Donc, il y a une fenêtre. Select insert into fenêtre. Alors, c'est fenêtre avec un S ou sans S? C'est sans S. Donc, nombre 1, nombre forme. Oui, nombre forme. Donc, nombre forme matière. Et c'est tout. Ok, parce qu'il n'y a pas encore de vitraux. Donc, nombre, c'est 1, c'est sûr. La forme, c'est quoi? Alors, on a plusieurs formes de fenêtres, c'est ça? Montre-moi ça. Alors, ça va de. Ainsi, c'est les vitraux. Ça va de 0 à 3. D'accord. Donc, fenêtre. De 0 à 3, on a dit. Hein. Forme égale rand 0,3.
Ok. Et enfin, la matière, c'est l'objet. Ok. Et donc là, c'est idée fenêtre. Cette surface, il y a 1. Et attends, je vérifie dans maison. Maison. Donc fenêtre. Ok, c'est juste ça. Ok. Fenêtre égale. Ok. Ça devrait fonctionner. Attends, je vais peut-être aussi, dans le doute, mettre ça en ligne. Alors, ben on va mettre une fenêtre en miroir sans teint. Merci, je vais fabriquer une fenêtre. Ok, et donc cette maison a 5 personnes. Et elle n'a pas de fenêtre. D'accord, ça n'a pas marché. Marrant ça. Donc, elle a dit ça. Attends. Alors, attends, elle a dit quoi? Ok. Alors, c'est passé. Est-ce que j'ai créé une fenêtre déjà? J'ai créé une fenêtre. Et est-ce que ma maison, elle a une fenêtre? D'accord. Ça s'est pas mis à jour. Pour quelle raison? Alors, est-ce que la fenêtre déjà, elle est correcte? Fenêtre. Idée, nombre, forme, matière. Ça s'est bien passé. Ok. Maison. Ah bah ben oui. Ah. Oh, l'erreur. Okay, c'est pas grave. On va la refaire. Je refais ça. Et également, je vais supprimer. C'était quoi? C'était la brutasse maçonnerie, c'est ça? Bon, remarque, je peux le réaméliorer. C'est pas mis à jour. Parfait. Donc, brutasse maçonnerie. L'heure est venue d'améliorer ta maison. On va créer une fenêtre en miroir sans teint. Wow! Et ça ne marche pas, mais c'est bien. Ok, ça marche pas. De la place, hein? Alors, on va effectivement corriger une petite chose. Et je pense que ce sera la dernière chose de la soirée parce que je commence à avoir mal à la tête de fatigue là. Alors. Alors. Surface égale 6. Et maintenant, je reclique. Alors, par contre, la fenêtre n'apparaît pas. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce qu'on a une fenêtre déjà dans cette maison? C'est ça la question. Est-ce qu'on a une fenêtre? Parfait. On a la fenêtre 2. Fenêtre 2, montre-moi ça. Qui est en. D'accord. Elle est aussi en forme 2, c'est marrant. Alors pourquoi ça ne marche pas? Desk maison. Donc là, j'ai une fenêtre. Ok. Ça marche.
Donc if porte blablabla. Ensuite, on va chercher la fenêtre. Voilà, id égale id fenêtre. On va même, genre, return fenêtre, quoi. Return maison fenêtre. Ok, on va. Okay. Je regarde juste si on a bien une fenêtre. Ah. Ouais. Slash fenêtre. Donc normalement ça devrait me faire slash 2. Quoi? T'as pas le droit de faire ça? Ok, d'accord, t'inquiète. Hop, slash fenêtre. Ah merde. Merde, je dors. C'est bien ça, hein? Ouais. Hey! Ouais, 2 secondes. Je me force pas, mais je termine quand même cette fenêtre, quoi. C'est moche, hein, ce que je fais. Hein. Je sais que c'est pas classe. Ok. Ah, mais je m'aperçois quoi, ça fait. En fait. Attends, cette tente. Je vais améliorer cette tente là. Je peux améliorer ou pas? J'ai de quoi? Ah, tiens. Je viens d'avoir une révélation, c'est que les fenêtres n'apparaissent pas du tout depuis le début, quoi. Brutasse. Peux-tu améliorer cette tente là? Avec. Ah putain, j'ai pas de bois! Ah! Ok, 2 secondes, je vais chercher du bois. Bouge pas. On va aller vers l'ouest. Ouais, des plantes sera très bien. Comment ça s'appelle ce truc? Non, je vais plutôt prendre des bleus. Alors, alu. Je prends un alu, j'en même prends plusieurs. Voilà. Et je vais vers l'est. Hein. Est-ce qu'on peut améliorer cette maison avec de l'alu? Ok, en alu. J'ai une maison en alu. Ok, une roulotte. Et là, en fait. Et ouais, il n'y a pas la fenêtre, alors qu'il y a la fenêtre depuis le début, je crois. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Explique-moi. Les fenêtres n'apparaissent pas. Alors c'est une maison de couleur machin, au mur en machin, avec pour entrer machin, et... Ah. C'est quoi cette fenêtre? Non, ça vient d'où? J'ai l'impression que je rentre dans l'enfer de la fenêtre. Fenêtre non, d'accord. Donc normalement il y en a une fenêtre. Fenêtre, montre-moi ça. C'est quoi la fenêtre?
La fenêtre matière n'est pas égale à zéro. D'accord. En fait, il faut refaire toutes les fenêtres depuis le début. Alors, je vais mettre des petites notes, une checklist alors. Alors, refaire les fenêtres depuis le début. Depuis le début. Insérer une fenêtre à la création de la maison. Simple ouverture. Quand upgrade avec minéraux, gérer la création, gérer la description. Je mets ça pour mon mois de demain parce que je vais pas me souvenir sinon. La description ne marche pas pour le moment. Marche pas. Ok. Je vais m'arrêter pour ce soir, je suis crevé. Merci d'avoir été avec moi ce soir. Je suis désolé, gestion, ces créations de grandes maisons sont compliquées. Il nous reste, une fois qu'on aura bien géré les fenêtres et les jardins, on pourra créer des maisons de plus en plus grandes, assez sympathiques. Demain soir, je fais une expo, mais je rentre pas trop trop tard. Donc, je pourrais avancer sur ces putains de fenêtres. Et avec un peu de chance, je pense que j'aurai terminé les constructions d'ici la fin de la semaine. On pourra enlever quelques bugs, améliorer légèrement l'interface parce qu'elle est vraiment compliquée. Et après, on commencera le jeu proprement dit. Et je pense qu'on aura dans 3 mois un jeu avec des quêtes et des trucs plutôt cool. Merci d'avoir été avec moi ce soir. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.